c'était orange. Donc si, ben voilà, tiens, on faisait sa tapisserie. Ça, c'est près de la Palmeraie. Des souvenirs de vacances à la Baule, Véronique Clément en a des albums entiers. Une histoire qui a commencé bien avant elle. Ça, c'est maman, en 1936, à la Baule, dans une villa derrière l'Ermitage. Donc ça, c'est la plage. Donc on voit la plage avec le club de maman et sa grand-mère. Depuis, toutes les générations ont suivi. Frères, sœurs, cousins, cousines et aujourd'hui, les petits-enfants qui passent eux aussi l'été à la Baule. Résultat, des centaines de clichés. Je revois les bains de mer, les sorties le soir après le dîner sur le remblai, voilà, les jeux d'enfants tous ensemble. Et moi, je voulais recréer aussi ça avec mes enfants et mes petits-enfants, donc ce qui a pu se faire. Et les photos s'accumulent et on les ressort parfois, on regarde tout ça en famille et puis on revit ces moments-là. Véronique Clément n'a pas hésité à partager ses souvenirs de vacances avec le plus grand nombre. Elle a répondu à l'appel à candidature lancé par la ville sur les réseaux sociaux. On a été surpris, en moins d'une semaine, on a reçu plus d'une centaine de visuels, de photos, de gens qui finalement aiment la Baule, aiment passionnément l'environnement dans lequel ils ont vécu et qui sont prêts à le partager. La station, elle évolue, bien sûr, les prestations, elles changent, mais le plaisir est toujours le même depuis des générations. Les photos retenues seront projetées en ville sur grand écran le 23 août prochain.